Salut, salut, salut la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Voilà. Finalement, les organisateurs, la délégation, les inspecteurs du putschiste sont parvenus à le convaincre. Les mobilisateurs, leurs soi-disant mobilisateurs, parce que l'argent actuellement dans le Bronx, l'argent à New York, ils sont en train de distribuer les billets verts. Que non, il faut tout faire. Il faut tout faire pour ne pas que ça échoue. Demandez-nous, hein. Demandez les anciens. Demandez les anciens. Allez-y, demandez ceux qui ont déjà gouverné et ceux qui sont passés. Les anciens de l'Assana Conté, passant par les Dadis, les 10 ans du président Alpha Condé, voilà. Demandez. Donc, et on parle de plus de 500 000. Ça même, c'est petit. Ça, c'est petit. Ça, c'est petit. Mais je tiens à dire, Mbadé Konyaka de ouf. Vraiment, ni alou naika ke maluyala. Ne tout cas que maluyala. Alors tu n'en as ici la fils de l'ombali. Dja mon ami, à tout fera l'ouma qu'on libérien. C'est-à-dire, toi soube tout fera à l'ouma. Mais bi, à l'ou fils de l'ombali ou le sini, dja mon ami, bakon américain. Kake sou, kereye, a été maluyala. Nalou tout maluyala. Moi, minen kai sou bon oro. Kakonya kake fini. Kai la fissaya. Aïna ici, manamana kanfola, des futilités. Voilà. Maintenant, on vous a dit, ici, on va vous montrer le 21. Ce qu'on vous demande, prenez vos permis. Hein. N'oubliez pas, prenez vos permis. Ça dit, vous allez voir. Quelqu'un qui n'a pas été élu par le peuple, comment ce bandit peut venir se flanquer ici? Comment ce narco peut venir se flanquer ici? Heureusement, les putschistes du Mali, les Tunkara, ils ont tous compris. Ils ont tous compris. Bon, voici quelques images parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui en Guinée qui ne regardent plus la télévision nationale. Voilà, c'est le départ du bandit. Mamadi Doumbouya, voici les images. Voilà, du bandit pour... Et voici Charles Wright. Idi Amin et Bachir Diallo à l'aéroport. et voici le bébé, le guignol, Gomu, parce que lui, c'est un simple guignol qu'ils ont là-bas. Et regardez Amara. Mais Amara, tu n'es pas content. Amara n'est pas content là, il y a quoi? C'est que il a gardé trois prétendants. Bala Samoura est là-bas, Amara est là-bas, Idi Amin est là-bas. Donc, mais s'il venait avec Amara ou bien Idi Amin, le jeu c'était facile. Regardez le visage d'Amara. Je vous ai dit, le film là, nous sommes déjà vers la fin. Le bandit veut forcer la situation. Toi, tu n'es pas l'élu du peuple. Tu es venu pour organiser des élections. Organise les élections, tu fous le cap. Non, 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 toi, tu veux te mettre dans la peau d'un président élu. Maman dit, ma faussier. Ce qui fait ton bonheur, là, les 24 mois qui ont été signés, là, la communauté internationale, les forces vives, c'est tout ce qui fait ton bonheur. Et actuellement, on vous parle. Attendez, je vais fermer ce maudit là. Toi, tu vas apprendre à fermer ton pétain. Voilà. Toi, moi, je t'ai fermé ici. Des maudits comme ça, vous venez dans le direct. Un bandit de grand chemin. Vous n'avez pas honte? Toi, le maudit qui vient insulter ici là. Un bandit de grand chemin. Un vaurien au 21e siècle. Parmi tous les intellectuels en Guinée. C'est ce vaurien, ce criminel qui a tué les gens le 5 septembre. Il est en train de faire disparaître nos soldats.
Ce vaurien aujourd'hui, l'administration, à l'heure actuelle, quand on vous parle, ces maudits qui viennent parler, de quoi vous parlez? De quoi vous parlez? Ce vaurien qui est à la tête du pays, des enseignants contractuels, vous avez vu la marche des enseignants contractuels? Dis-moi, ils ne sont pas payés. L'Agence nationale de digitalisation, qui est attachée à la présence. Bande de maudits que vous êtes. Ça ne va pas chez vous? On va continuer à encourager des médiocres à la tête du pays? Les enseignants contractuels, dis-moi. Et le gouvernement qui était là? Hein? Le gouvernement qui était là, on a tout dit. Instrumentalisation de la justice, pauvreté, ainsi de suite. Personnalisation de la chose publique. Et depuis l'arrivée des bandits là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Toi qui viens ici parler de conneries là, on vous a posé la question. Le bandit est venu, il a mis 14 500 personnes à la retraite. Dis-moi, les enseignants contractuels ne sont pas payés. Vous qui parlez là, ouvrez vos gueules, vos pentas, vous allez parler. Non mais c'est énervant. Ça dit des inconscients sont là en train d'encourager des vauriens à la tête de notre pays. Non, 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 mon frère, c'est énervant. Matin, midi, soir, on vient parler ici. 14 500 personnes, on les met à la retraite. Vous avez vu ça dans quel pays normal? Quel pays normal? Dans quel pays normal? Vous avez vu ça? Dans quel pays normal on met des gens à la retraite? Non, mais c'est incroyable. Et ce bandit se lève. Ce bandit soutenu par la France. Vous voyez, si vous voyez que le bandit aujourd'hui, on l'accepte aux Nations Unies, c'est qu'il est soutenu par quelqu'un. Pourquoi on annule l'invitation du Niger? Et c'est là que je dis à ces panafricains-là de faire beaucoup attention. Si vous voulez que je laisse Ibé ou bien Assimou tranquille. Pourquoi on ne donne pas l'autorisation? Le premier ministre du Niger a demandé à venir aux Nations Unies. Ils ont refusé de donner. Et vous allez venir quand on parle de ça. Des fois même, il y a des panafricains, ils ne réfléchissent même pas. Même vos leaders ont compris que Mamadi est un bandit. Ils se sont défaits de Mamadi. Les panafricanistes, les conscients là, ils ont compris. Il y a un monsieur, il fait des vidéos. Il a souvent, voilà, son bibliothèque derrière lui là. Il a compris. Il a compris. Mais nous, on est là. Moi, ce que je voulais, que Mamadi vienne ici. Que le bandit vienne ici aux États-Unis. Et Dieu merci. Voilà, ils ont distribué de l'argent, beaucoup d'argent. Les organisateurs, voilà, ils les ont rassurés. Mais on va leur prouver qu'ici, c'est au même lieu. Il n'y a pas à faire de dire, voici l'endroit là, c'est au même lieu. Devant les Nations Unies là, tu as ton permis, vous venez, c'est au même lieu. Lorsque l'UFDG était opposé au RPG, voilà, vous vous faites face à c'est là-bas, Ngaïe, que vous pouvez mobiliser. Vous n'avez même pas honte. Vous êtes aux États-Unis, pays de démocratie. Vous voyez que ceux-mêmes qui ont envahi le Capitole, on est en train de les juger, les Trump. Vous, c'est-à-dire des paresseux, comment vous pouvez encourager un criminel qui a tué des Guinéens depuis qu'il est venu? Les jeunes de l'Axe ne tombent pas. Vous, des inconscients, à cause de l'argent, vous n'avez même pas honte. Si vous aviez honte, vous allez fermer vos gueules. Mandousso, ils ne vont pas descendre à JFK. Vous avez vu, c'est l'avion privé qu'il a pris même. Voilà, je vais vous montrer. Le bandit ne va pas descendre à la... Non, ce n'est pas à JFK. Le vol privé, ce n'est pas à l'aéroport de JFK. C'est ce que vous oubliez. Voici l'avion qu'il a emprunté. Voici l'avion qu'il a emprunté. Et avec ça, la démagogie. Il fallait voir même des artistes, des journalistes, comme Mamadi a doté la Guinée d'un avion. Et voici l'avion qu'il a emprunté. Ça dit tout ça pour faire de la démagogie, pour endormir les gens.
Il a acheté avion. Hein? Quoi, il a acheté avion. N'importe quoi, ouais. Il a acheté quel avion? Et le bandit, c'est dans ça, il monte, non? Quelqu'un qui a acheté avion. Quelqu'un qui a doté la Guinée. D'un avion. Et regardez, l'avion, c'est encore votre argent. Si le bandit restait là-bas, là, des millions de dollars que les bandits vont dépenser aujourd'hui. Parce que l'avion là va venir garer ici. Ils vont payer le quota dans les aéroports. Si le bandit restait là-bas, vous savez combien de millions de dollars le bandit a dépensé pour ce voyage, sa sécurité? Si on prenait cet argent, les enseignants contractuels sont en train de crever de faim. Les boursiers guinéens aujourd'hui à l'étranger, les 500 000 qu'ils ont pris là pour donner à des gens ici, on pouvait prendre cet argent pour donner à nos étudiants aujourd'hui qui n'ont même pas de quoi manger. Et vous, les inconscients, vous êtes en train d'encourager ces médiums, ces vauriens qui sont là. Vous n'avez pas honte? Vous-même, vous n'avez pas honte? Vous ne vous posez pas la question, le 5 septembre, le discours que ce bandit a dit. Donc, la famille, c'est parce que des gens qui parlent d'organisation, ils ne connaissent pas. On se connaît ici. Nous nous connaissons en détail ici aux États-Unis. Laissez-les. Ben, c'est important. Eux aussi, ils ont bouffé l'argent de la Guinée. Ils ont bouffé l'argent parce que on sait. Nko andi ko ila la almadir kamie. Et bandiena américain. 5 étoiles. Ici pays de liberté d'expression. Et je vous ai dit tout ce qu'ils veulent là, ils n'ont qu'à payer. Venez le 20e devant les Nations Unies. Le général 5 étoiles, je serai présent. Voilà. Ama focal la nayere là. On va vous montrer le contraire. Un bandit, nous on ne peut pas accepter qu'un bandit, un vaurien, vienne parler au nom de la Guinée. On m'a dit que Guinée qui est entré en 7e ou qui est entré en 7e. Qui est entré en 7e. Qui est entré en 7e. Ceux qui l'ont soutenu, ne rien soutenir. Amanfane trahi un gros traite. Fils de l'Ombali, Moutangana soutenu. Koudankana n'a moufoura. Antina, présent Alpha Condé m'a démissionné. Et c'est pour vous dire, ceux qui soutiennent Mamadi. Sinon, pourquoi refuser l'invitation du Niger? Au Niger, il n'y a pas eu effusion du sang. Et celui qui a tué en Guinée. Et celui qui n'a pas respecté ses engagements. Voilà, vous avez compris maintenant qu'il y a des puissances qui soutiennent le bandit de Mamadi Doumbouya. Vous, les panafricains, souvent quand on vous parle, c'est ce qui nous énerve aussi. On vient taper sur vos présidents. Parce que tant que vous parlez, vous défendez le bandit, on vous donne la réponse. Vous avez compris maintenant. Vous avez compris maintenant que le bandit, il n'est pas dans la même logique que vous. Vous parlez de libération de l'Afrique, voilà, tout ça. Tout ça, c'est bon. Mais le bandit, c'est un légionnaire. Le bandit est protégé par des gens. Tout est négocié par des gens, pour lui. Sinon, on n'allait pas refuser. Si le peuple du Niger dit qu'il veut Tchani, et que le premier ministre du Niger doit venir aux Nations Unies, pourquoi on refuse l'invitation de Tchani, du premier ministre de Tchani, mais le bandit, le putschiste, et des gens dans le noir, ses patrons, c'est pourquoi il ne peut pas s'afficher avec vous. C'est pourquoi il ne peut pas les attaquer, les dénoncer. Ses enfants sont là-bas, sa femme est là-bas. L'argent qu'il vole en Guinée aujourd'hui, c'est là-bas qu'il investit. Quand ça va se gâter, c'est là-bas qu'il va partir aussi. Heureusement que, soi-disant, panafricains, les Tunkara, comme ils ne sont plus dans la logique de Mamadi Doumbouya, ils vont aller faire leur protestation. Ils vont aller protester, nous aussi. On va aller faire pour nous. Nous, on dit, on ne veut pas du putschiste Mamadi Doumbouya. Maintenant, si les soi-disant panafricains, là, panafricanistes, là, ceux qui veulent dire, là, ils n'ont qu'à dire. Mais en tout cas, nous nous serons devant les Nations Unies contre le bandit, le narco Mamadi Doumbouya. Sa venue ici, il n'est pas légitime, il ne peut pas parler au nom, voilà, il ne peut pas parler au nom de la Guinée. Assa aussi dit,
C'est ce que je vous ai dit. Vous m'avez parlé, vous m'avez appelé. Non, Damaro, on comprend tout ce que vous dites, c'est vrai. Voilà, mais nous, on n'est pas avec Mamadou Doumbouya. Je vous ai dit, c'est à vos panafricanistes, là, les soi-disant, là, certains qu'on appelle panafricons, là, qui mélangent tout. C'est-à-dire, ils ne cherchent même pas à vérifier. Eux, ils mélangent tout. Dites à ces gens qu'il ne faut plus qu'ils voient mettre le nom de Mamadou Doumbouya. Si ce n'est pas pour taper sur le bandit, mais à chaque fois, ils associent ce légionnaire, ce traître au combat de Ibrahim Traoré, de Assimi Goïta, de Tchani. Eh bien, nous, on est libres aussi. De la manière vous êtes libres de défendre Mamadou Doumbouya, nous sommes libres aussi de répliquer sur votre association. Sinon, je ne suis pas burkinabé. Je ne suis pas burkinabé. Ma soeur, je vous rappelle, je suis en direct là. Je vous reviens. Je vous reviens, je suis en direct. Je suis en... Ok. Donc, si vous le faites, moi, il n'y a pas de problème. Le problème burkinabé, regarde les burkinabés. Le problème malien, regarde les maliens. Mais si vous associez, les bandits, un bandit qui a tué des gens, au Mali, il n'y a pas eu de mort. Au Burkina, il n'y a pas eu de mort. Au Niger, il n'y a pas eu de mort. Et là, on peut comprendre. C'est pourquoi je vous ai dit, comment nous nous défendons, nous nous combattons un système et vous, vous venez, c'est-à-dire grandir la personne devant nous. Donc, on s'est compris. Vous m'avez parlé, Damaro, on a les mêmes visions, voilà. Mais concernant le Mali ou le Burkina, vous m'avez demandé. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Donc, je vous ai dit, je ne vais plus parler. Mais tant que les panafricains parlent, moi aussi, je vais sortir. Mais dans ces deux jours-là, ils ont tous compris. Ils ont tous compris. Et maintenant, il y a des vidéos contre le bandit Mamadou Doumbouya, que c'est un traître. Et c'est pourquoi on parle de tous ces accords. Il ne fait même pas partie. Donc, mes frères, les vrais panafricanistes, hein, pas les panafricains, hein, ceux qui mélangent les illettrés, là, je ne parle pas d'eux. Donc, Damaro, j'ai mis bas la terre. Le combat contre les trois pays, là, ça ne me regarde pas. Et le jour que je verrai encore vos soi-disant activistes parler de Mamadou Doumbouya, et là, il n'y a pas de problème, je vais parler. Joseph Loa, moi, je ne vais pas te répondre. Vous savez, vous êtes des Grecs. Et vous oubliez que la démocratie, c'est le choix de la majorité. Vous étiez où le 5 septembre? Quand le bandit a fait le coup d'État, il était à Bambeto, dans le fief de Seloudale. Vous, les ignorants, là, parce qu'à cause d'argent, parce qu'on a pris ce guignol-là, Gomu, lui mettre qu'au premier ministre, vous allez parler. Sinon, la majorité des Guinéens aujourd'hui, c'est une réalité. On n'a pas besoin même d'expliquer ça. 14 500 personnes à la retraite. Bande d'inconscients. Ouvrez vos gueules, vous allez nous dire l'emploi qu'il a créé. Non, Makagbe, il ne faut même pas le répondre. Vous savez, c'est des ignorants. Quand quelqu'un boit, le bandit vient dans mon direct, c'est comme ça. Mais laissez. Je sais comment soigner ces gens-là. Il ne va plus venir dans mon direct ici. Un inconscient. Le sac de riz était à combien? Inconscient. À la veille du coup d'État. L'interconnexion. C'est ton bandit qui l'a fait. Ce vaurien qui est là, là. Vous allez le voir. Qui va prendre photo avec lui? Un vaurien. Un bandit qui vient humilier la Guinée encore. Vous n'avez pas honte? Je vous ai dit. Vous voulez qu'on vous... C'est-à-dire, quand on dit la Côte d'Ivoire avance, Oufoué-Boigny, Félix Oufoué-Boigny, quelqu'un qui a été ministre du gouvernement français avant de devenir président. C'est les hommes. La différence, c'est les hommes. Le président Ouattara n'est pas n'importe qui. Je vous montre encore cette vidéo pour vous dire, le Fama n'est pas n'importe qui. Le président Fakonde, l'homme, ce qui faisait que la Guinée avançait. Voilà. Vous avez vu Donald Trump? Il va pour s'allier qui? Regardez Donald Trump. Hein. Voilà. Le président Fakonde. Ah, vous avez vu? Lorsque Trump est à la tête et demande photo, vous pensez que le Fama était n'importe qui? Bande d'inconscients. Je vous ai dit, vous les Grecs, là, calmez-vous un peu. Regardez, hein. C'est pas mon image montée. Celui qui représentait la Guinée dignement faisait la fierté. Bon, regardez. Regardez, hein. Angela Merkel qui vient saluer. Président de l'Allemagne. Vous, les inconscients. J'ai dit, c'est les hommes. Le développement de nous. Regardez. La présidente de la Banque mondiale en train de discuter.
Voici des hommes. Vous pensez que la Côte d'Ivoire, tous ces grands projets, c'est quoi? C'est l'homme, c'est le président Ouattara. C'est ses relations. Bande d'inconscients, un bandit, on le met là. Ils sont même gérés aujourd'hui le pays. Ils sont incompétents. Et bande de Grecs. Que c'est qui les Grecs? C'est mes cousins à moi. Parce que moi-même, ma grand-mère paternelle, elle vient de Ziama. Mais c'est un petit groupe. C'est-à-dire, eux, ils boivent trop le bandit. Il y a d'autres qui boivent le bandit, mais dosé. Ils peuvent rouler la voiture. Mais mes cousins, là, il y a des gens là, eux, là, c'est des vrais Grecs. Ils ne comprennent rien. C'est eux qui viennent ici, comme on m'a dit. Des inconscients. Je vous ai dit, vous, les Grecs, là, n'ouvrez pas vos tympans, là. Vous voyez, actuellement, ce guipa, ça fait 2 ou 3 mois. Pas de salaire pour les agriculteurs. Bande d'inconscients. La route nationale, là, c'est qui? Bande d'inconscients. Les projets dont vous parlez, là, c'est qui? Vous avez vu Mamadi Doumbouya signer un accord? Ça le fait 2 ans. Mais il n'a qu'à signer un accord. Hein? Gomu est mieux que moi. Hein? Et ma monnaie, l'entaille. Gomu, gros bébé. Ah non, t'as braqué monnaie. Gomu, là, il dit, non, il va en faire. Un bandit comme Gomu, qui est en train de voler flagrant, tout le monde voit. Quand on dit premier ministre, tout le monde a vu Dr. Kassoy. Agnès, qui l'a créé, Dr. Kassoy. En Afrique, Dr. Kassoy. Mamri, Dr. Kassoy, tous ces projets pour créer de l'emploi, pour aider les pauvres. Ça, lui, c'est un premier ministre. Mais ce n'est pas un premier ministre superviseur. Un premier ministre qui se promène sur les chantiers des autres. Même l'entreprise, la nana ou quoi, là, ça appartenait à son oncle. Il n'a rien inventé lui-même. Mais tous ces grands projets-là, Dr. Kassoy. Quand vous entendez Agnès, c'est Dr. Kassoy. En Afrique, Mamri, tous ces projets, c'est l'homme. Il n'a pas étudié pour rien. Il n'a pas été économiste pour rien. Quand on dit un technocrate, c'est ça. Tu t'assois, qu'est-ce que tu peux faire pour ta société? Changer la donne. C'est ça, Dr. Kassoy. Mais par rapport à qui? Gros bébé. Quelqu'un qu'on dit premier ministre, chef du gouvernement. Madame la journaliste de TV5 Monde, on pose la question. Non, les autorités supérieures de notre pays ont déjà dit ça. Et toi, tu es premier ministre, chef du gouvernement. Et c'est là que vous sentez que le monsieur, il fait pitié. Madame la journaliste pose la question. Quelle est votre position? Il dit, nos autorités supérieures. Et toi, tu es premier ministre, Ambra te dépasse. Simple secrétaire, lui te dépasse. Bala Samoura te dépasse. Toi qui es le premier ministre, chef du gouvernement. Si on doit parler des 3 personnalités, tu fais partie. Non mais c'est pas la honte. C'est-à-dire à cause de ce gros bébé, vous allez nous parler de quoi? Et le gars est là-bas pour la forêt. Vous les Grecs là, vous qui n'avez pas compris. Sinon mes parents, conscients de la forêt, eux ils ont déjà compris depuis longtemps que ces gens-là c'est des bandits. Au début on peut comprendre. C'est pourquoi je vous dis, moi j'apprécie UFDG. Ils ne sont pas dans mauvais rêves. L'UFDG, ils ne sont pas dans mauvais rêves. Soit ils sont dedans, comme on a vu au début du coup d'État. Sinon, il n'y a même pas d'élection. Personne n'a dit qu'Alpha Condé doit venir. UFDG, lorsqu'ils ont compris que Mamadi est un bandit, hein? Lorsqu'ils ont compris que Mamadi est un bandit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais ils se sont retirés. C'est ça les vrais hommes. Mais des guignols, mes cousins grecs continuent à soutenir des vauriens. Mais quand même, mes frères, réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous-même, vous entendez les discours. Mamadou, aujourd'hui, il a échoué sur tous les plans. Économiquement, on ne peut plus parler. Même les chantiers, là, les Guinéens ont compris que ce sont les chantiers du président Alpha Condé. Regardez l'argument. Même aux États-Unis, ici, en Guinée, que non, c'est un malinqué, c'est notre parent. Vous n'avez pas honte? Vous pensez que si Mamadi était forestier, ils allaient tenir ça? Dadi s'est venu ici. Pourquoi les gens de Dadi sont les a chassés ici? Pourquoi ils ne se sont pas levés? Donc mes frères cousins grecs là, pardonnez, réveillez-vous à un moment donné. Je vous ai dit, personne ne compte vous. Mais restez du côté de la vérité. Restez du côté de la majorité. Parce qu'ils ont compris que non, ça ne tient pas. Il faut parler affaire de Malinké. Non, c'est notre parent. Mamadi, Mankale, Amanka Kabla, Andene. Le bandit a tué combien de personnes?
n'est pas Dadis qui est humilié aujourd'hui. Ce n'est pas Dadis qui est humilié aujourd'hui. Ce n'est pas Dadis qui est humilié aujourd'hui. Aurait été un leader conscient. C'était de mettre Dadis à résidence surveillée jusqu'à la fin du procès. Mais regardez ce qu'ils ont fait de Dadis. Des vauriens comme ça. Donc, mes frères guinéens, réveillez-vous, on a affaire à des simples bandits. C'est-à-dire, la majorité du peuple de Guinée n'ont pas été à l'école. Même si on n'a pas été à l'école, on peut être intelligent. Avec les nouvelles technologies aujourd'hui, Facebook, tout, on ne peut pas vous mentir. Vous pouvez taper sur Google, vous pouvez taper sur YouTube. Vous voulez connaître quelque chose, tapez seulement sur YouTube. Vous aurez la réponse. Ou bien sur Google, vous aurez la réponse. Il ne faut pas que des gens vont venir jouer avec votre esprit. On dit que le président Alpha Condé n'était pas bon. On a fait le coup d'état, troisième mandat, on dit que ce n'était pas bon. Mais la vie des Guinéens avant le 5 septembre, c'est de ça qu'il s'agit. Quand on est à la tête d'un pays, c'est d'améliorer les conditions de vie de ce peuple. Je veux savoir le sac de riz était à combien avant le coup d'état. Malgré qu'il y a eu Ebola, Covid, des crises politiques, mais le sac de riz était à combien? Combien de Guinéens travaillaient à la fonction publique? Combien de PME? Combien d'entreprises travaillaient depuis l'arrivée des bandits? C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça le développement d'un pays. Ce n'est pas des discours. Oh, on est en position panafricaniste. Non, les gars. Des Guinéens crèvent de faim aujourd'hui. Vous voyez l'insécurité dans le pays aujourd'hui. Chaque jour, c'est des corps qu'on retrouve. Mais vous êtes malade. Vous défendez quoi? Parce qu'eux-mêmes, ils ont compris. Même ceux qui étaient opposés au président Alpha Condé aujourd'hui reconnaissent que non, tous ces chantiers, c'est le président Alpha Condé, tout a été signé. Mais le bandit est venu en 2 ans. Quand il s'agit d'aller se flanquer en Turquie, soutenir un président qui a un 4e ou 5e mandat là-bas, quand il s'agit de donner le nom du pont de Kagbélé à un autre président qui a son 5e mandat, là, il sait le faire. Mais quand il s'agit de son bienfaiteur, quelqu'un qui l'a lavé, qui l'a emmené en France, le former comme officier, les forces spéciales n'existaient pas. Et nommer ce bandit, ce vaurien, là-bas, et le prix, c'est-à-dire la monnaie à rendre au président Alpha Condé, le bandit, c'est de faire le coup d'État, profiter de l'opposition guinéenne pour dire, troisième mandat, voilà. Mais où, si vraiment le coup d'État, c'était le troisième mandat, est-ce que ce bandit allait être à mal avec Seloudale? Est-ce que l'opposition a déjà revendiqué quelque chose depuis l'arrivée des bandits là? C'est là, réveillez-vous. On a affaire à des gangsters, à des bandits, à des tonneaux vides, à des totos. Ils n'ont rien dans la tête. C'est des gens qui n'ont aucune notion. Ibrahim Traoré au Burkina, 10 000 fois mieux que ces gens. Un jeune, mais réfléchi, il a la tête sur les épaules. Assimi Goïta, même si je ne le soutiens pas, mais il a la tête sur les épaules. Mais comment on va accepter un bandit comme Mamadi Doumbouya? Vous-même, regardez le type. Bon, regardez l'image du pays. Que c'est ceux-là qui dirigent la Guinée. Mais la Guinée est tombée bas. Un vaurien comme Charles Wright. Un arrogant comme Bachir Diallo. C'est-à-dire, le cerveau même du coup d'État. Le cerveau du coup d'État, Idi Amin, le voici. Le vrai cerveau. Vous savez, Mamadi, je vous ai dit, dans le plan initial, c'est Idi Amin qui devait être le président de la transition. Il y a Namori aussi qui devait être. C'est-à-dire, les deux ont été promus président de la transition. Mais les Amara et les Balala, les amis de Doumbouya, ils les ont dit, on ne prend pas le pouvoir pour donner à quelqu'un, sinon il va couper. On ne dit pas tout ici. Donc, le cerveau même, celui qui a trompé le président Alpha Condé, qui a le préliminaire du coup d'État, éliminé les gens, c'est Idi Amin. Mamadi Doumbouya même, pour qu'on l'impose, c'est Idi Amin. Et demandez l'accident de l'avion de l'ex-chef d'État-major qui est décédé, Khalifa Diallo, demandez les gens, qui a donné l'autorisation à Khalifa de prendre l'avion? Dieu seul sait si l'avion avait été saboté ou si l'avion n'a pas été saboté. Dieu seul sait. Et après la mort de Khalifa Diallo, Idi Amin,
demander à chaque fois au président Alpha Condé qui le nomme chef d'état-major des forces armées, un gendarme, chef d'état-major des forces armées. Le président Alpha Condé qui dit, mais tu veux me créer des problèmes? Comment on peut prendre un gendarme devant tous ces militaires-là et mettre le gendarme? On peut le comprendre. Peut-être qu'on t'a mis ministre aujourd'hui, ça va. Mais le maître chef d'état-major, un gendarme qui vient, qui commande les militaires, ce n'est pas pour créer la révolte. Le président Alpha Condé n'a jamais accepté. Et ces menaces devenaient trop. Ils l'ont mis comme ambassadeur. De là-bas, ils faisaient des va-et-vient en France. Juste qu'ils ont préparé. Voilà. Donc, la famille, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et c'est pourquoi je dis à chaque fois aux Guinéens, renforçons l'unité nationale. Renforçons l'unité nationale. Peul, Malinké, Soussou. Et tant qu'on est divisé, la Guinée n'ira nulle part. Et c'est ce qui fait que les Vauriens prennent la tête du pays chaque fois. Donc les Vauriens profitent de la situation du terrain pour faire leur coup d'État. Et sinon, si c'était au nom de la démocratie, est-ce que les Koundounou et les autres là seraient hors du pays aujourd'hui? Je vous ai dit, ils ont fait pour leur intérêt personnel. Mamadi était un narco. Pour ceux qui ne connaissent pas son passé en Hollande, mais demandez ses amis, ils vont vous dire. Donc, nous devons renforcer l'unité nationale. Forestier, Malinké, Peul, Soussou. La Guinée nous appartient tous. On a intérêt à gagner ensemble. Tous ceux qui viennent vous parler, ah, c'est les forestiers. C'est des faibles d'esprit. Ils n'ont rien à vous donner. C'est des faibles d'esprit. Tous ceux qui viennent parler de Malinké ou de Peul, c'est des faibles d'esprit. Renforçons l'unité nationale. Tous nos leaders qui viennent parler ou des soi-disant qui viennent parler affaires d'ethnie, il faut les bannir. Il faut les rejeter. Il y a quoi d'aussi bon? Quand on voit nos frères à l'école primaire, le peuple Malinké, il n'y a pas de différence. Parce qu'on ne parle pas de pouvoir, on ne parle pas d'intérêt. Ils vont apprendre, ils sont tous ensemble. Mais quand il s'agit, oui, de diriger le pays, on vient nous diviser. Pendant ce temps, le forestier est en forêt, en train de travailler tranquillement. Même s'il a Conakry, il travaille. Le Malinké, pendant ce temps, lui, il est là-bas, en train de travailler aussi. Le Peul, pendant ce temps, il est en train de travailler. Le Soussou, pendant ce temps, en train de travailler. C'est quand, pour donner la place à un individu, qu'on vient nous diviser maintenant. Oh, pourtant, toi, tu as ta copine Peul. Pourtant, le jeune Peul a sa copine Malinké. Le jeune forestier a sa copine Peul. Donc, il y a tout ça. Là, il n'y a pas palabre. Vous vous aimez entre vous. Mais à cause d'un poste, les idiots viennent chercher à nous diviser. Tant que nous n'allons pas renforcer l'unité nationale, je vous dis, mes frères, la Guinée n'ira nulle part. Ça va être le chaos. Et ce chaos, attendez, je vais bloquer ce vaurien là. Toi, Kominimono là, on ne dit pas vive CNRD ici. Voilà. Tu mets CNRD seulement, on vous bloque. Ce n'est pas ici. Les soi-disant leaders qui ont soutenu Doumbouya. Vous savez qui va piquer crise? C'est Lansana Kouyaté. Parce que lui, il pensait que non, il faut piétiner. Il faut enlever Selou Dalé de la course au présidentiel. Il fallait enlever l'autre aussi. Les docteurs Kassori. Et là, lui, il allait se voir le favori des élections. Mais il a oublié que le bandit ne veut pas quitter. Ceux qui vont attaquer même le CNRD, là, c'est eux. Ceux qui ont soutenu. Parce que Baouri, lui-même, il sait que même chef de quartier, il ne va pas être chef de quartier. Sauf si Mamadi lui nomme ministre quelque part. Mais il ne sera pas président. Chef de quartier, personne ne va voter pour lui. Sauf lui, on lui nomme. Donc, c'est les mêmes personnes qui vont se retourner contre le CNRD. Pendant ce temps, les forces vives, eux, ils vont s'asseoir tranquilles, attendre le jour du changement. Parce qu'on les a parlé, ils n'ont pas compris. Donc, le bandit a peur aujourd'hui. Il a fait assez de mal. Nos caisses aujourd'hui, avec la CRIEF, ils ont vidé tout ce qui était au trésor public. Ils ont tué assez de personnes. Beaucoup de soldats. Et Madame Gbegbe Farah, Nanara dit bandit et Mounoma. Et Mounoma Sigade. Sinon, au Burkina, il y a eu combien de morts? Leur coup d'État. De Dami Bal, je croyais mort, non? Et ça a été présenté. Mais le bandit a fait son coup d'État. Il y a eu combien de morts? Près de 200 soldats. Où se trouvent les corps? Donc le bandit a peur de tout ça.
C'est-à-dire les parents des familles, là, ils peuvent porter plainte contre lui. Devant la Cour pénale internationale. C'est crime contre l'humanité. Qui lui a donné l'autorisation? Il était au pouvoir? Il était président? Non! Mamadi n'est rien qu'un simple bandit. Mais il y a un bandit, belébélé. A Nabirinkolo, nanara bandit moua masikafé. Voilà. Où se trouvent les éléments des forces spéciales? Abara dit mes birinfara. Bandina y était. Donc, merci à tout le monde. On est ensemble. Mamadi rentre. Dans super peu de temps, il va rentrer. Voilà. Mais ceux qui pensent que c'est à Jeff qu'il va descendre, il ne va pas descendre. Il y a des aéroports privés là. C'est là-bas qu'il va descendre. L'avion qu'il a ne descend pas à JFK. C'est ce que vous devez comprendre. Il y a des aéroports privés à New York. Il va descendre là-bas. Il va descendre dans ces aéroports privés, mais il ne va pas descendre à JFK comme certains disent, on l'attend ici. Non, non, non. Il est venu en vol privé. Voilà. Il y a des accords qui signent là-bas. Dans ces aéroports privés, il va descendre, mais ce n'est pas à JFK. Mais ne vous pressez pas. Le rendez-vous, c'est le 20e. Le rendez-vous, c'est le 20e. Le 20e, c'est le rendez-vous. Devant les Nations Unies. Et là, ils vont voir les Guinéens. Ils vont nous sentir. Nous, on n'a même pas besoin que Mamadi vienne devant nous. Nous, c'est de montrer à la communauté internationale. Vous ne savez pas que c'est un programme. Il y a des journalistes du monde. Ils sont en haut là-bas. Ils filment l'espace. Donc, nous, c'est le message là que nous allons véhiculer. Et quelqu'un qui se dit qu'il est aimé, il est soutenu par son peuple. Eh bien, si vous voyez ce beau monde, ces Guinéens de l'étranger, contre la personne, c'est que ça ne va pas au pays. Nous, nous véhiculons le message de nos compatriotes au pays. Parce que les médias en Guinée, beaucoup se sont vendus. Donc, la famille, on est ensemble. Kalou Sangaré, merci à vous. Merci à Lassamine Fadiga, merci à vous. Merci à Bouba. Merci Souleymane Touré, merci à vous. Merci. Toi, quoi, Jim Kaba? Moi, je vais super bien. Mon frère, je vis aux États-Unis. Mon permis, ma carte d'assurance. Je ne suis pas un sans-papier, le général 5 étoiles. Voilà. Mon assurance, Blue Cross Blue Shield. Blue Cross Blue Shield. Tellement que le général, il ne se rend même pas à l'hôpital, il est en forme. La carte même ne veut même pas sortir. Voilà. Ma carte est là. Hein. Blue Cross Blue Shield. Voilà. Carte médicale. Donc ça, ce n'est pas à n'importe qui ici. Hein. Ce que j'ai là. Donc, si je veux tout de suite, là, je me couche tout de suite. J'appelle 911, l'ambulance devant ma maison. Je dis Alhamdoulilah. Voilà. Mon permis est là aussi. Je vais où je veux. J'ai tout par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas sans papier, go. Je vais où je veux. Hein? Donc, vous qui êtes là-bas, nanani, nanana, Damaro, c'est rentré, c'est sorti. Non. Merci à Mamadou Diallo et Bento Djabi, merci à vous. Lukman Zambou, merci. Roger Kanté, Bangali Fanta Doukouré, merci. Vous êtes nombreux. Diallo, Alseni, Sekou Sangaré, mon grand Lobilo, merci à vous. Fumba Kekuruma, merci. On est ensemble. Yassine Ba, merci à vous. Ibrahim Abba, écrivez-moi sur ma page, je vais vous envoyer le numéro. Moussa Diallo, merci. Mamadou Keïta, merci à vous. Le combat continue. Toi, Alcène Coutinho qui dit que toi, tu es qui? Eh bien, mais tu me regardes aujourd'hui là. Voici ce qui est Damaro devant toi-même. Toi-même, tu es là, tu me dis, tu es qui? Voilà. Mohamed Traoré, merci. Traoré, merci. Mon grand M.U. Mousto, merci. Le combat continue, pas de recul. Il reste 2 jours. 18 aujourd'hui, 19, 20. Comme je vous l'ai dit, le 20, le général, Inch'Allah, je dois passer la nuit à New York. Là, je vais bien me reposer. Et là, je dois bien parler. Donc, je ne vais pas faire 2 heures de conduite.
pour aller à New York, non. Je vais prendre, voilà, une chambre à Manhattan, non loin des Nations Unies, où je vais bien dormir. Et là, je me lève à temps réel pour aller attendre les bandits maintenant du CNRD. Pour aller attendre les soi-disant co-supporters. Hein? Donc, Kale Ali, Philippe, Jean-Philippe Hamilton, merci à vous. C'est qui le gars là? Mon frère, peut-être que tu viens de rentrer. J'ai dit les panafricanistes, les gens du Niger, du Burkina, ils m'ont appelé. Ils disent, Damaro, nous, on n'est pas avec Doumbouya. Doumbouya est un traître, Doumbouya est un légionnaire, Doumbouya est soutenu par la France. On te demande pardon. On te demande pardon. Et le combat, tout ce que vous dites, on vous comprend. Vous avez parfaitement raison. La jeunesse est paresseuse. Les gens ne veulent pas se lever pour travailler. On est là, voilà. Mais ils m'ont demandé pardon. Et si des gens vous appellent, ils vous expliquent ça. Ils disent qu'eux, ils ne parleront plus du bandit de Mamadi Doumbouya. Est-ce qu'avant moi, je parlais de ces gens-là? Mais c'est quand des gens ont commencé à associer, comme si ce que le bandit a fait en Guinée était bien. Maintenant, comme ils ont compris, alors, s'ils ne parlent plus de ce bandit, et les gens ont compris que c'est un traître, c'est un vendu, et c'est ce que je vous ai dit. Le premier ministre de Tchani, son invitation a été rejetée ici, aux Nations Unies. Mais l'invitation du bandit, parce que lui, il est soutenu par la France, et c'est ça la vérité, c'est ce qu'on ne vous dit pas. Si vous voyez qu'il défie les autres, c'est parce que oui, il croit à quelque chose. Mais ça va chauffer. Non, Ben Bella, ah là, mon frère, j'ai dit, laissez ces gens-là. Ils ont pris plus de 500 000 dollars. Ça même, c'est petit. L'argent qui est sorti, qu'on venait, qu'on va être humilié. Nous-mêmes, on vous dit le score déjà, vous serez humilié. Si ces mobilisations-là, on a donné ça chapeau à l'UFDG. Et cette fois-ci, la RPG, comme il y a des gens qui disent ça fait de malinqué là, awa, kojou keni mouamina, ou le kaka kakouma, alou le kaka kabo, awa, enfono, andi ou réponse il a, allafana, sous l'ombalilou. Voilà. Mandouso, il y aura des t-shirts. Mandou, il y aura des t-shirts. C'est pourquoi je demande à tous nos confrères, à tous nos frères, la date c'est le 21. Là, vous allez vous préparer, même si c'est un jour seulement. Vous venez, ceux de Washington, quelqu'un qui roule vite, 3h30, 4h. On sait que c'est long, mais vous quittez très tôt, 4h du matin, vous quittez à Washington, vous venez. Ceux de Boston, là, c'est pas loin. Ceux de New Jersey, eux-mêmes, ils peuvent prendre le train. Ils n'ont même pas besoin de rouler. Ils prennent le train, ils descendent à la 34e, à Manhattan, là-bas. Ils savent comment prendre le train là-bas pour aller. Donc, venez massivement. On va venir accueillir les putschistes, les bandits. Ils ne peuvent pas venir parler au nom de la Guinée. Mon frère, joli Gao, l'armée guinéenne va se réveiller, mes frères. Je vous ai dit, vous ne saviez pas ce qui s'est passé. Idi Amin, ils ont détruit l'armée guinéenne. Ils les ont désarmés, démembrés. Mais je vous dis, wallahi, wallahi, ils vont taper sur lui. Hé, hey, Djamfan, il a banné Djamfan Lima. Vous savez, au Burkina, on ne peut pas en vouloir Ibrahim. Il a enlevé Damiba. Assimiou, il y avait le peuple dans les rues. On peut comprendre tout ça. Mais, en Guinée, ce qui s'est passé, pire trahison, et puis de qui? D'un vaurien, d'un toto, Mamadi Doumbouya. Donc, je vous laisse, Mamadi Kewoulé. Kankaya, merci à vous. Samuel Kamara, merci. Vous parlez de soutien. C'est lui à Kanka. Même Kanka ne veut pas de lui. On prend tout un gouvernement. On arrête de travailler l'administration pour aller accueillir un bandit chez lui. Les jeunes de la ville, on les met en prison parce qu'ils disent qu'ils ne veulent pas du bandit. Et de quoi vous parlez? De quel soutien? Et Mamadi devait faire mieux que le président Alpha Condé. Joli Gao, Kodamaro, tu es marié.
Moi, j'ai 4 femmes, donc la porte est déjà fermée. Mais comme je suis quelqu'un de public, c'est pourquoi les gens cherchent la vie de Damaro, ils vont pas savoir. Moi, je suis pas quelqu'un. Allez-y sur mes profils, là, vous allez voir. Mes pages, vous n'allez jamais voir mes photos. Je suis à New York, je suis à Philadelphie. Non, moi, je suis pas ce genre-là. J'aime pas me faire voir. Dire, voici ma femme. Hey. Non. Donc, j'ai 4 femmes. La porte est fermée. Le jour qu'une va divorcer, joli gars, si vous êtes femme, si vous êtes intéressé, il n'y a pas de problème. Vous allez lancer votre candidature. Mais actuellement, j'ai 4 femmes d'abord. Voilà. On me dit, je ne peux pas dépasser 4 femmes. Si vous êtes intéressé, vous attendez. Si une divorce, le général, mais les 4 mêmes actuellement. Voilà. Donc, merci Fatou Touré. Merci à Ahmed Tal. Abdraman Diallo, merci. En tout cas, Lamba Sissoko, merci à vous. Bonne soirée, on se reprend encore ce soir. Moi, j'ai déjà fini de travailler. Maurice Kourouma, merci à vous. Merci à Rovas Ngoma, merci. Non, les panafricanistes, ils ont compris. Ma position, je vous ai déjà dit. Et comme vous avez déjà montré aux Guinéens que vous n'êtes plus avec Mamadi Doumbouya, ça sert à quoi de venir m'attaquer à Assimi? Si Assimi ne fait pas bien, c'est aux Maliens de régler son compte. Si Ibrahim ne fait pas bien, c'est au Burkinabé. Mais si des gens viennent parler de Mamadi, s'attaquent au président Fakonde, nous aussi, ah, tiens, d'Abambekou. Donc, on s'est compris. Moi, je vous ai dit, il n'y a pas de problème chez moi. Vous m'avez dit, Damaro, non, il faut nous laisser. Mamadi, non, on ne veut plus de lui, c'est un traître. Je vous ai dit, c'est fini. C'est fini. Voilà. Donc, je vous ai expliqué. Donc, Mamadou Mokhtar, bah, merci, merci. Et une chose aussi, vous n'allez pas parler de Macky Sall, vous n'allez pas parler du président Ouattara. C'est aussi simple que ça. Occupez-vous de ceux qui sont contre vous, ceux qui viennent vous attaquer. Les djihadistes, la France, mais le président Ouattara, je vous ai dit, toute personne qui attaque le président Ouattara, je vais attaquer. Tous ceux qui vont attaquer le président Macky Sall, pareil. Donc, c'était ça. Mamadi MK Kamara, vous êtes nombreux ici. Samba Dao, merci à vous. Abdul Kader Hamed, merci. Mamadou Mokhtar Ba, merci à vous. Bonne soirée. Djaka Mensan, merci à vous. Moussa Fisdine Touré, merci. Bonne soirée.